À cause d'une petite maladie que j'ai dans les yeux, et je dois utiliser un médicament sous la forme de gouttes. Et chaque matin, quand je me réveille, je dois mettre deux gouttes dans chaque œil. Pareillement, chaque soir, avant d'aller dormir. La question, c'est que chaque fois que je le fais, je dois presser mes lacrymales, mes yeux comme ça, durant 2 minutes. Ça fait 2 minutes chaque matin, 2 minutes chaque soir. À la fin de l'année, ça fait au moins 24 heures que je passe en faisant ça, en pressant mes yeux comme ça. Ça me fait réfléchir combien de choses nous pensons que nous n'avons jamais le temps de faire. Mais si on dédie quelques instants, quelques minutes, chaque jour, pour faire ces choses que nous pensons que nous n'avons jamais le temps de faire, à la fin de l'année, l'addition, ça fait beaucoup d'heures. Donc tu vois, Ecclésiaste a raison, il y a toujours le temps pour faire quelque chose. Lire la Bible, prier, parler à quelqu'un que tu aimes beaucoup. Il y a plein de choses à faire, mais il faut le dosifier.